Donc, Aslema, Ena Esmi Khamsar Zayed. Bon, Ena agite à l'occasion de la détention de ma sœur, Ortiz Rila Esma Kalkwena Zayed, Amor Hafmane Arshinsne, Amla Master en Beaux-Arts. Aujourd'hui, pour, on va dire, des raisons bidons, des arguments, et les raisons légales, Manafouj, est-ce que c'est Sahar ou Ella Mamjushar, Chadina Fulmarkes, depuis hier soir. Donc, Heyam Riba, elle est anorexique mentale, elle a besoin de ses médicaments. مانيش هوني باش نحكي على علاش شدوها ولا تهم صحيحه ولا مش صحيحه يا ان تريبونال فما قضاء من بعد كيفا ترانشي اجوردي انا هوني على خاطر اختي مريضة اللي انوريكسيك عندها دي بوزوان ميديكامون سون دوسي ميديكال اللي ما تعدى قدام البروكيور دو لا ريبوبليك اي مالغري تو سا عاود بعث حط في معناتها هبط فيها بطاقه ايداع بالسجن Donc, Orti, elle a besoin de ses médicaments, elle ne mange rien du tout, elle est en état dépressif et malgré ça, elle est en haps. Normalement, en tant qu'ancienne juriste, entre guillemets, c'est que la prévention, la détention est préventive. Karkouin, elle ne risque pas de s'enfuir, elle n'a tué personne, elle peut comparaître devant le tribunal en état de liberté et par la suite, on verra bien ce qui va se passer. Ce que je ne comprends pas, c'est que nous, juste à la khatr femme, une personne, je ne peux pas l'appeler un citoyen, une personne qui est allée voir le marquez, aujourd'hui, elle risque de rester en prison jusqu'au 6 juillet, juste à la khatr une tierce personne, donc je voulais juste attirer votre attention sur ça. Si on peut faire quelque chose pour elle, tant mieux, parce que réellement, son état de santé est très grave.